Vous allez chanter ce soir à Bordeaux. Que mettrez-vous à votre programme? C'était une première partie de Puccini, dédiée tout à Puccini, où je chantais les airs de Janis Kiki, de Liu de Turandot, Manon Lescaut et Visidarte de Tosca. Pour la première partie, le Schlussgesang de Salomé, la scène finale de Salomé pour la deuxième partie. Salomé que je crois vous allez chanter en entier bientôt. Oui, on va la faire à Paris avec Leonard Bernstein au mois de mai prochain. Quel est le personnage que vous préférez? Il y a trois personnages que je préfère et que je chante très souvent. Ce sont Traviata, Norma et Salomé. Et quel est le plus difficile des trois? Je pense que tous les trois sont difficiles. Le plus difficile rôle que j'ai jamais chanté, c'est le pirate de Bellini. Peut-être que c'est pour ça qu'on ne le chante pas. Moi non plus. Et celui que vous préférez? Peut-être Salomé. Salomé. J'aime beaucoup Salomé. J'aime beaucoup Strauss devant. C'est la première fois donc que vous venez à Bordeaux. Vous connaissiez cette ville ou bien... Non. Vous êtes venu dans le Pays Basque, je sais. C'est vraiment la première fois qu'on vient ici. Et c'est la première fois que je suis dans le théâtre, dedans. On m'a montré la salle, on m'a montré un peu tout. Je trouve que c'est fantastique. Vous avez essayé l'acoustique? Non, pas encore, mais j'ai des bonnes nouvelles. Tout le monde dit qu'il est très bon. Alors, il faut croire que quand on dit ça, quand les rumeurs ils marchent comme ça, ça veut dire que c'est vrai. Et j'espère les constater ce soir. Et en même temps, vraiment ici, on a l'impression d'être dans un vrai théâtre.